Et salut tout le monde, c'est Floflo, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très très bien. On se retrouve pour le... je sais plus combienième épisode. Voilà, de Frozen Wild. La dernière fois qu'on s'était laissé, on devait défier Aratak. Alors je vais vérifier, ne vous en faites pas. Je me souviens plus de son prénom. La fille peintre est toujours là, elle est là-bas. Au niveau des peintures, vous voyez. Logique. La corruption au Elle est sud toujours là, donc on et pourra le faire Raymond plus dans la tête. tard Certains jours, j'ai l'impression que la quand on lumière fera un vient épisode de secondaire. ralentir. Là, du coup, aujourd'hui, on va défier Aratak, donc Les pour bandits ne sont avoir pas aussi accédé gênants au sans feu leur du chef, tonnerre son arme. et voir ce qui se passe, quoi, le problème. Mon peuple ne cesse de raconter tes hauts faits. Il semble que tu t'intéresses beaucoup à notre parcelle de neige étrangère. Oui. Apparemment, c'est le seul moyen pour moi de tout voir. Tu me lances un défi? Pour le Vérac. Toi? Ha! C'est une plaisanterie. C'est très sérieux, Aratak. Je comprends. L'étrangère est ton pion. Comme tu soutiens sa demande, je suis forcé de l'accepter. Je dois dire que tu me déçois, ma sœur. C'est toi qui m'as banni du fût du tonnerre, mon frère. Frère et sœur, hein? C'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Non, c'est simple. Rejoins-moi au pilier de gel, et je mettrai un terme à cette sottise. Je suppose que je te dois une explication. Ouais. Je suis d'accord. Et pourquoi tu m'as pas dit qu'Aratak était ton frère? Ça n'était pas nécessaire. Je suis surprise qu'Aratak l'ait révélé à une étrangère. Il est sûrement en colère. Je ne suis pas très douée avec les gens. Je préfère la compagnie des esprits. Ou même la mienne. Je ne voulais pas que tu prennes ce pèlerinage pour une querelle familiale. C'est beaucoup plus important que ça. D'accord. J'ai rien à dire sur ce qui vient de se passer parce que voilà. T'as du cran, je le reconnais. Elle nous a juste un peu menti. Son propre frère. Il ne m'a pas laissé le choix. Il me croit trop jeune. Il veut me cacher derrière le groupe. Il m'empêcherait d'accomplir mon destin. Pourtant, une partie de moi savait qu'il finirait par me pardonner. Il pardonne toujours. Oublions ta famille. En quoi consistera ce défi, au juste? Aratak et toi chasserez des machines au pilier de gel. Oh. Le plus rapide l'emportera. Ce sera difficile. Ça ne changera pas de d'habitude. Rejoins-nous au point de départ. Je t'en dirai plus. Ce sera plus simple à expliquer au pied des collines. Ouréa, ça n'a rien d'une histoire de famille. Ça va être sympathique. Je veux savoir ce qu'il y a au fût du tonnerre. L'esprit, le daemon, et le lien avec les machines. Mais si on doit se lancer, je veux que tu sois franche avec moi. Je t'ai sous-estimé. Ainsi qu'Aratak. Je ne ferai plus la même erreur. On se retrouve au pilier de gel. Bon, je vais devoir risquer ma vie pour devenir chef d'une bande de chasseurs Banouk. J'en ai toujours rêvé. Pilier de gel, me voilà. Bon, on va dire qu'on la pardonne. Ok. Elle a pas fait gaffe, Attends, c'est pas où qu'on est censé parler. Pas fait la... Elle s'est mal prise, elle s'est mal... Enfin, voilà quoi. Elle s'est mal prise, mais... Enfin, c'est mal prise, plutôt. Respectons les gens un minimum. Mais voilà. C'est pas contre nous, on va dire. Ah putain, y'a là, j'avais pas vu. T'avais pas vu, toi? Ok, du coup, on va te faire chasser. Pour changer. Je suis pas fan de la chasse, hein, vous avez pu le voir. Du coup, ça sent les ellipses. Sauf si on a affronté les machines. Qu'on a l'habitude d'affronter. Enfin, les nouvelles machines, quoi. Attends, pourquoi lui me disait par là?
Attendez, pause. Ok. Ben, on verra bien. On va essayer de se débrouiller comme on peut. C'est là-bas. Yo. Ok. Les piliers de gel ne devraient pas être loin. C'est fort la neige quand même. Les piliers de gel. Bonsoir. Ça va être facile, hein. Rassurez-moi. Faut juste tuer des veilleurs et puis voilà, c'est tout. Bah oui, ça doit être ça. Étrangère. J'ai déjà relevé ce genre de défi. Je ne crains rien. Ce défi, c'est ridicule. Tu n'es pas Banouk. Tu ne comprends pas mes responsabilités. Je te le demande. D'un chasseur à un autre. Abandonne. Bah, si tu me laisses passer, oui, pas de soucis, moi je m'en fous. Tu laisseras monter au fût du tonnerre. Tu n'as pas vu ce qu'il y avait là-bas, étrangère. Je ne risquerai pas encore la vie de ma sœur. Mais la mienne, tu me connais pas. Alors inutile d'attendre. D'accord, je vais enterrer ton défi insolent dans le sol gelé. Ça suffit! Allez, commençons! Chassez! Lutter! C'est toute la vie des Banouk! Et c'est ce que tu devras affronter! Tu escaladeras les piliers de gel par l'est, Aratak par l'ouest. Chaque piste croise des groupes de machines redoutables. Des chasseurs, du Vérac, seront placés sur le chemin. Ils t'appelleront, te montreront les machines à abattre. Ta traque te mènera vers le centre, par la falaise, et tu descendras dans la vallée pour la dernière cible. À chaque fois, une fois ta proie tombée, tu devras lancer une balise comme celle-ci, afin que le clan suive ta progression. Tuer des machines, lâcher des ballons, compris. Alors, le premier à lâcher le troisième ballon a gagné? Eh bien, oui. Mais en tant qu'aspirante, ta voie sera plus difficile. Évidemment. Si une seule de tes balises part après celle d'Aratak, il gagnera. Tu as eu ta chance, étrangère. Toi aussi. L'épreuve commence à mon signal. Il y a tellement d'images pour une miniature ici. Maintenant! Mais il y avait un rappel juste à côté. Allez, je dois gravir cette montagne. Ah, il y a vraiment du temps. Ah. Bon, tant pis, mon cheval il vient pas, hein, tant pis. Go, 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 go. On dirait qu'il y a plusieurs trajets possibles. Ils sont marqués par ces peintures sur les roches. Je stresse pas. Je déteste quand il y a un time. Oh mon dieu, je déteste tellement ces jeux-là. Go, 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 go. Allez, on monte. Ok, le skill, c'est le moment de revenir là. Qu'est-ce que tu fais? Le skill. Allez. Ah. Go, go, go. Go, Johnny, go, go. Non. Stop it. Allez, alors Yon s'active. Quoi, je suis en retard? C'est où, c'est par où? Je dois être sur la bonne voie. Oh putain, j'ai flippé. Allez. Go! Ah, ça fait déjà trop longtemps que je suis sur cette falaise, j'ai l'impression. Je suis presque en haut. Allez!
Ok, vas-y, donne-moi ma cible, donne-moi ma cible. Écoute, ton objectif est d'éliminer le troupeau en bas, toutes les machines. Éliminer un troupeau, aucun problème. Je stresse même pas, je stresse même pas. Easy, easy Monique. Ils sont encore combien? Ah! J'ai vos corps à corps, j'en ai rien à foutre. Munitions, sérieux? Il est où? Mais il est où ce foutu ballon? Il est où? Allez, grimpe ici! Allez, c'est parti. Grimpe sur le rebord et lance ton ballon. Ah oh purée, vous aurez pas pu le mettre à côté quoi, ça aurait pas été... Allez, allez, 3 minutes d'avance, c'est bon, pour l'instant on est bien. Et un ballon dans le ciel. Oh bien sûr. Bien sûr, évidemment. Bon, on m'a dit qu'il y avait 3 minutes d'avance. Hein. J'ai tout pris, j'ai pas cherché à comprendre. Deux cracheurs droit devant aspirante. Tue-les tous les deux. Ils sont quoi? Non. D'accord. Deux cracheurs qui arrivent. Non. Tue les deux cracheurs pour souffler. Et évidemment, ils sont pas tout seuls. Sinon, c'est pas marrant. Celui-là? Boum! Il est pas mort. Ok. Ah. Attention, ça a piqué. Allez hop. Vous allez me laisser là maintenant. Mais oui, mais l'autre il m'embête là. Non. Ah! Allez, ça dégage. Non, pas moi.
Par où? De ballon. Leave me alone. Banque de proximité. Il est ce ballon. Me suivent encore? Je sais pas. Alors, on sait jamais. Viens par ici et lance ton ballon. Pourquoi ils ont tous la voix d'air attaque, j'ai l'impression. Lâche le ballon. Lâche de ballon. Évidemment, alors que j'avais 7 minutes d'avance. Je dois me dépêcher. Va prendre la tyrolienne et descends jusqu'à la vallée. Wouh! Mange des vies, bien sûr. La tempête se lève. On n'y voit rien. Évidemment. Si c'est un ours, ça me dérange pas. Je me rapproche. Si c'est l'autre, ça me dérange. Ouh. Parce que l'autre 10 minutes au moins pour le tuer. Et là j'en ai que 5. Plus qu'un seul défi. Non, 2, parce qu'après il y a la grosse machine du bas. Allez, un petit ours. Allez, lâche, on s'en fout, lâche. Oh. Non, je voulais pas. Merci. Que se passe-t-il? Je ne vois pas les autres. Ceux qui doivent attirer nos dernières proies. Plus vite, ils sont derrière nous. On fait équipe, hein. Vas-y, viens. Boum. Oula, qu'est-ce que c'est? Reviens ici, mon gros. Ah bah y'a plus le truc au centre lui. Allez, ça dégage. Du feu, peut-être que t'aimes bien le feu toi. Oui, je pense que t'aimes bien le feu toi. Non bon, pas du tout. Ah bah y'en a deux. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas descendre? Je ne dis plus rien à partir de maintenant. Boum! Aucun dégât, rien n'affiche. Et deux, un. Oh putain, bonjour! Ah ah ah, moi j'ai déjà tué un à rattaque. Boum! Dans tes dents. Il est où? Ouais, j'ai gagné un niveau! Wouh! C'est un ours ninja. Oh, c'est un ours sumo aussi. Oh, c'est un ours ninja sumo. Attends, il y a peut-être Ah bah attaque, t'es gentil toi. Tu m'envoies les deux. Plus de bonheur. Plus de flèches. Elles vont pas péter, hein. Bah elles pètent tous en même temps aussi. Un peu si. Ne déf... Bonjour. Où est-ce que je suis? Laissez-moi. Attention hein. Oh purée, une grotte. Boum. Je suis à sec. Ah bah ça c'est...
Il y a deux bidules dans ce monde là. Mais il est où? Ah, tu m'as raté. Bon, par contre, ça commence à être un peu long, un peu chiant. Est-ce que tu peux me monter, s'il te plaît? Voilà. Purée, t'arrives pas à le tuer, toi. T'es vraiment un bon. Des trucs dans le dos. Je vois pas. Oh mon dieu! Et moi aussi je sais le faire, hein. Oh là. Oh merde. C'est donc vrai. Des griffes de gel du fût du tonnerre. Voilà, leur attaque a interrompu l'épreuve. Naturellement, il faudra la refaire. Ça ne compte pas. Ouf. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a vaincu les machines. Pas moi. C'est la preuve. C'est une meilleure chasseuse. Nous sommes Banouk. Survivre, vaincre. C'est tout ce qui compte. Bah, il s'est blessé, mal. Et sur ton arme. Je prends place derrière toi pour la chasse. Aucun chasseur ne fera plus l'ascension au fût du tonnerre. La voie est fermée à tous, sauf aux chefs de clan. Et à moi. Hein? Je n'en ai aucun droit, mais je te demande une faveur. Vous accompagnez toi et ma sœur. C'est envisageable. Si seulement tu fais ce que je dis. Non. Seulement si tu fais ce que je te dis. Le fût du tonnerre attend. Il y a un camp à son pied, Lantai, c'est son nom. Rejoins-nous là-bas quand tu voudras. Chef Aloy. Une nouvelle tenue. Et la même arme qu'Aratak. Le chef du clan a besoin d'un équipement adéquat. Maintenant, à Lantai. Plus rien ne m'empêche d'aller au fût du tonnerre. Oui, mais revenons deux minutes sur quelques... Oh purée, ça donne masse de vie, ça. Je sais pas vous, mais moi, je n'aime pas... Je commence à ne pas aimer... Ourea. Non, mais c'est moi que tu dis que ce que je fais... Un peu... un petit peu relou. Ah oui, non, c'est dans les boîtes, c'est vrai. Faut que j'ouvre les boîtes. Attendez, c'est où? Inventaire. Boîte. 7. Alors, chef. Oui, si tu veux. Ah oui, non, c'est une arme. Attendez, encore une arme. Attendez, parce que. Si c'est encore une mitraille, je sais pas quoi là. Ouais, c'est son arme à lui. Je suis pas fan des trucs comme ça. En plus, elles font pas masse de dégâts. Donc, pour l'instant, je sais pas si on va l'essayer. Par contre, celle. Ah, mais elle est moche. Elle n'a aucun effet en plus. Fait remonter la santé progressivement. Éventuellement. Bon, on va la mettre. Juste pour... Attendez, qu'est-ce que je fais? Inventaire. On va la mettre pour le fun. Mais sinon, on va très vite reprendre l'ancienne. Ouais. On a une doudoune quoi maintenant. C'est cool.
Alors, que c'est qu'on doit faire? Aller à l'entaille. Ok. Pour se rapprocher du feu du tonnerre, du coup. Si vous vous demandez, non, je ne fais pas de coupure. Pas de reset, parce que, en fait, ça ne marche pas. Et ça fait quand même les bugs. Et c'est mon intro et mon outro qui sont buggés, je pense. Donc, fichier. Ah, je vais faire tout le contour. Donc, je sais pas si je vais... Hop. Si je vais refaire... Enfin, pour l'instant, les vidéos qu'il y a jusqu'à maintenant n'ont pas d'intro ni d'outro. Parce que, ben, sinon, ça fait des fichiers énormes que je mets 3 ans à upload. Donc, je mets 3 ans à upload naturellement. Il est très probable que le reste des vidéos n'ont pas d'intro ni d'outro tant que le problème n'est pas réglé. Et je sais pas comment je vais régler le souci. Donc voilà, la petite chose. Et ouais, et du coup, faire le record en plusieurs fois ou en une seule fois, au final, ça fait le même caca boudin. Donc, c'est par où? Ok, là on fait demi-tour et après il faut aller tout droit. Ok. Oh, il est blessé. Non. Pas blessé. Tu peux te blesser si tu veux. Quoi? Il avait un ballon dans son corps. Mais non, attendez. Mais qu'est-ce que... Ça y est, je vais pouvoir filer. Qu'est-ce que... Ok. Bah, pourquoi pas. Une balise de repérage, sûrement. Du coup là, oui, je fais toujours ça et je sais pas, et c'est très chiant. Et oui, je trouve aussi que c'est très chiant. Je suis pas du tout dans le bon endroit. C'est pas grave. Si, c'est grave. Si je te fais de là, je meurs. Ah non. Ah non. On va dire qu'on l'a pas vu. Voilà. J'ai envie d'avancer. Bien que là, on va. Et on est déjà à 27 minutes. Donc en plus c'est encore loin, donc je vous retrouve là-bas. Alors on y est, enfin on est plus très loin. On est juste là. Mais il y a ça juste à l'entrée. Donc je pense qu'on va se le faire ici maintenant tout de suite. Parce que sinon ça risque d'être plutôt relou. Non. Ah oui, il y a ça, donc ça va être encore plus relou. Donc, on va se le faire. Rejoins tes créateurs. Whoop. Ensuite, je souviens, il y en a un là. Il y en a un autre. Ils sont là-bas. Il n'y en a aucun qui vient là. Aussi, lui va venir. Voilà. Il suffit de demander. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Faut demander gentiment et puis ça vient quoi. Y'a pas de sushi. Coucouche. Oui, bon, je dis coucouche. Pourquoi la nuit est tombée d'un coup là? Elle est assez violente la nuit quand même. J'ai pas un petit caillou. Je vais pas lancer un caillou. Récupère le caillou. Merde. Bonsoir. Ok. Je dois détruire cette tour. Allons-y en mode bourrin. C'est très bien aussi en mode bourrin. On apprécie grandement le bourrin. Raté. Boum. Ah, puis j'ai la tenue dégueulasse. J'ai pas la tenue faite pour quoi. Boom. Il est où le suivant? Il est où? Il est libéré. Ah non, il est là-bas, j'allais dire, il est libéré, il est... Ah, ils sont deux! Ah ouais, ça déconne pas. J'allais dire, ils sont libérés, il est comme des Pokémon, mais... Du coup, bah non. Faut se soigner. Ah merde, j'ai pris une potion. Attendez!
c'est la mort. Tadam. Sauf qu'il n'y a pas eu de sauvegarde, je crois. Donc je vais tout me retaper. Ça va être fort sympa. Bienvenue dans une session tout en harmonie, sans rage et sans frustration. Oui, j'ai galéré à revenir jusqu'ici et j'ai mis 5 ans pour le tuer. Voilà, voilà. Et j'ai plus de vie, comme vous pouvez le voir en haut, je n'ai plus rien. C'est trop génial. J'adore ce jeu. Hein? Bon, allons voir ce qu'il nous vole. Et sauvegardons pour le bien. Qu'est-ce qu'on a pour du cristal bleu? Amen. Merci. Non, on n'a pas assez de cristal bleu, ma poule. On n'est pas riche, nous. Désolé. Étrangère, ce serait un honneur de te parler. Tout à fait, un autre jour. C'est admettre qu'on est incapable de survivre sans voler. Nous, on veut la suite, même si on va se laisser bientôt. On veut la suite, nous. Arrêtez de tout parler en même temps. Reprendre la montagne. Qu'est-ce qu'on fait? Tenez-vous prêts. Affûtez vos lances. Si on ne revient pas, ce sera à vous de défendre la plaie. Si notre chef est d'accord avec ce plan. Ça me paraît sensé, mais espérons qu'on n'en arrivera pas là. Bonne chance. Le poids du commandement est un lourd fardeau. J'ai remarqué. Bonne chance, nous on veut pas te mêler là-dedans, merci. Je suppose que tu n'as pas parlé à Ouréa. Je devrais. C'est tout ce qu'elle voulait. Retourner au fût du tonnerre. C'est tout ce qui l'intéresse. J'aurais dû me douter qu'elle trouverait un moyen d'écarter ma lance. Quand les Karja ont capturé ma sœur, elle n'est pas revenue indemne. Qu'est-il arrivé à Ouréa quand elle était avec les Karja? En tant que chamane, elle est douée avec les machines pour les traquer, les étourdir. Les Karja l'employaient pour les capturer pour la fosse, où ils les lâchaient sur des innocents. Ils l'ont mêlée à leurs loisirs sanguinaires. La honte qu'elle a éprouvée sous leur soleil impitoyable. Elle a survécu. Elle a tenu bon. Tenu bon en se concentrant sur son esprit, sur son but. C'est tout ce qui lui reste. Qu'est-il arrivé à la première expédition? Ouréa nous a guidés vers le sommet. Mais une grande porte barrait le passage. Un genre de creuset. Du métal. On a essayé de la forcer. Mais elle ne bougeait pas. On était épuisés. On était pris entre cette porte et les machines. J'ai pris la décision de reculer. Ça nous a coûté cher. Mais on aurait tous péri en restant là-bas. J'espérais ne plus jamais faire subir ça à Ouréa. Donc il y a bel et bien un creuset. La pauvre Ouréa, la mort de tout le monde sur la conscience. Donc c'est, on peut la comprendre qu'elle est un petit peu... Voilà. Qu'elle est un petit peu obnubilée par cette chose. Donc il y a un creuset. Derrière ce creuset, je pense qu'il y a... comment dire? Quand on a fait dans le let's play, on était tombé sur une sorte de creuset, je crois, ou voilà, c'était une tour, mais ça gérait. Donc soit c'est un creuset qui gère la construction de machines du coin, soit c'est un creuset dans lequel. Ah non, je crois qu'il n'y avait pas de centre, par exemple le système, je sais plus comment dire, le programme qui gérait par exemple la Death Mare est dans une tour, je crois. Ah, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Bah, ils je savent pas. Je ne sais pas. Et ben voilà. Cette grande plaque de métal. Ce bourdonnement. Il n'y a rien de sacré ici. Des machines et la mort, c'est ce que nous réserve la montagne. Notre mort ou celle du Daemon. Et si on retrouve cet esprit? Alors on devra peut-être abréger ses souffrances. Ah, donc ça c'est l'esprit que dont Ouréa parle. Vous. Merci de m'accompagner. Quelqu'un doit protéger Ouréa. Mais bon, si on tue l'esprit, Ouréa, je pense qu'elle va pas être trop contente. Donc je pense que Ouréa va finir par se liguer contre nous si on va le tuer. Tout simplement. Moi j'aimerais bien trouver des trucs pour la vie. Ça serait assez sympa. Même si j'ai des popos, hein. Je crois. Moi ouais, j'ai pas mal de popos donc. Ça doit le faire. On va pas lancer le truc maintenant, hein. Vous vous doutez bien.
Mais on va... Ardente. Mais non, moi, il me faut des vies. C'est une fort haute falaise qui a... Et Auréa est parti... On sait pas où. J'aurais dû sauvegarder. Je vais le regretter. Aloy, nous y sommes. Je vais avoir la chance de retrouver l'esprit et peut-être lui rendre ouais, la lumière. Pas vraiment. Je n'aurais jamais eu cette chance toute seule. J'avais besoin d'une étrangère, ignorante de nos coutumes, mais... Veux me remercier, Auréa ? Oui, bien sûr. C'est ton talent. Tu démêles les nœuds, tu crées des opportunités. Merci d'avoir rendu ce pèlerinage possible. J'aurais juste préféré ne pas avoir à humilier Aratak. Tu as eu raison de le laisser venir. Il en a le droit, il est buté, mais... Il le fallait. La guerre l'exigeait. Et moi aussi. Ouais, ce qui serait bien, c'est que... Non, on n'y va pas. Non, non, non. Ça, c'est genre... Êtes-vous vraiment sûr de vouloir partir maintenant? Ça, donc on va... Ça, on va... Ça sera dans le prochain épisode. Silence. Ce qui serait bien, c'est que genre, à un moment, on fait genre... Oh non, difficulté, Aratak, sauve-nous! Et du coup, Aratak redevient le chef légitime. Aratak m'a dit que tu as longtemps été prisonnière des Karja. T'as dû souffrir. Pour Aratak, tout est lié à ça. Ils croient que les Karja m'ont changé, mais c'est faux. Ils m'ont rendu plus résolue. Quand tout semble perdu, on pense à ce qui compte vraiment. L'esprit, la lumière bleue, l'au-delà. La mort. Et mon frère, bien sûr. Chaque fois que je sentais le vent glacé du nord, je pensais à lui. Je m'inquiétais. On va lire tout ça maintenant, parce que je me vois pas commencer un épisode en disant « Salut tout le monde, c'est Flo, aujourd'hui on va lire !» Enfin, on va écouter, plutôt. Qu'a fait la guerre à Aratak? Elle a tout éliminé, ne laissant que son essence. Une âme de glace. Aucun Banouk n'a sa volonté. Il a combattu les Karja pendant 1000 nuits gelées, mais ralliait toujours ses chasseurs à l'aube. Il a subi 23 blessures pendant toutes ces années. Quoi, t'as ses compté? Hommes ont compté. Il ne s'est pas plaint une seule fois. Mais... Pourtant, il se plaint que la vie est plus dure avec moi. C'est vrai. Je ne lui apporte jamais que des ennuis. Oh là là. On va prendre Silence en dernier. Hein. Qu'est-ce qu'on trouvera là-haut, Auréa? Des ruines. Des machines. Une porte, comme celle d'un creuset. Je sais que tu trouveras le moyen de passer à l'œil, car au-delà se trouve l'esprit. Je sais que je l'y trouverai, mais je sais que le Daemon a tenté de cacher la voie. T'inquiète, on passe, on dit « Je suis Elisabeth !» Et il nous ouvre. Maintenant que je suis chef du Vérac, est-ce que je peux t'ordonner de me parler de Silence ? Oh oui ! Aratak ne se serait jamais permis de convoiter un secret du Conclave. Mais tu n'es pas Aratak, et si tu as eu affaire à Silence, je comprends ton insistance. Silence était un jeune chaman des Terres du Nord. Il venait du guet de la Chouette. Un Vérac isolé et rarement présent aux assemblées. Silence était chaman? C'est ça. Ou du moins, quand nos coureurs ont demandé au guet de la Chouette, c'est ce qu'on leur a dit. Il connaissait les machines comme personne, et puis il était impatient d'échanger son savoir avec nous autres. Il a eu tôt fait de gagner la confiance du conclave, et même par la suite, de recevoir une invitation. Toi aussi? Tu lui faisais confiance? Non. Mais je l'admirais. Il avait de la prestance, de l'autorité. Je voulais qu'il m'instruise, mais... ça ne s'est jamais fait. On lui a révélé notre lieu de rencontre le plus sacré, les cavernes gelées du Malmstrom, à un mois de marche de Banur. Il nous y a rejoints comme de coutume, en plein hiver. Mais, à la visite suivante, les grottes avaient été pillées. Des reliques des anciens volées, des trous dans la glace et le métal. Oui, ça ne m'étonne pas de Silence.
Il a disparu avec son butin. Nos meilleurs pisteurs l'ont pris en chasse, sans revenir. Et quand on a contacté le guet de la chouette, ses garants avaient tous disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Certains membres du conclave pensent même qu'il n'était pas réellement Banouk. Qu'est-ce que tu en penses ? Il a commis un sacrilège impardonnable. Il est sans scrupules et dangereux. Mais aussi brillant, habile et instruit comme personne d'autre. À part, peut-être, toi. Je ne vais pas tenter de t'en dissuader. Je pense que tu pourras traiter avec lui sans danger. Mais reste sur tes gardes. Je m'en souviendrai, Ouréa. Merci. T'inquiète. Ok, donc... J'ai encore quelques petites choses. Il s'est introduit dans... Je serai là. Dans le clan, hein, sans... Enfin, il a fait croire qu'il était du clan ou je sais pas quoi, mais il n'était pas, sur... apparemment. Enfin, ça, c'est le doute qu'il y a. Un clan secret, un clan de chaman secret. Donc, enfin, ça me paraît... Enfin, comme ça me paraît pas trop... Je me dis, ouais, je m'attendais à quelque chose de plus énorme, mais c'est vrai que si on se met dans la situation de gens qui prient aux esprits tout ça, c'est chaud, c'est très très chaud quand même comme accusation. Donc, bon voilà, au moins on sait que... Étrangère, ce serait un honneur de te parler. Qu'il n'a été attiré que pour le gain, et donc on pourrait... Enfin, qu'il a cherché un... Il a cherché la savoir, le savoir, et puis après, bah, il a voulu le garder pour lui. Donc, faudrait. C'est vrai qu'on peut faire un petit rapprochement avec Hades, Ares, Hades. Oh, je sais plus, avec la boboule rouge, parce que il a voulu la science. Il a été trop curieux. Du coup, la boboule rouge s'est réveillée. Et il a perdu le contrôle, et là ça l'a dépassé, du coup il a demandé à nous, mais il n'y a pas renoncé, là on l'a vu à la fin du let's play. C'est sur ça du coup qu'on se laisse, même si l'épisode, bon c'est vrai que l'épisode est un peu long, mais bon c'est pas grave. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu, du coup on est devenu chef du clan, enfin chef du Vérac plutôt. Je sais toujours pas ce que c'est un Vérac, mais c'est pas grave, donc le prochain épisode, on va dans la montagne, sûrement dans le creuset. On va voir un peu ce qui s'y cache, on va peut-être rencontrer l'esprit, je ne sais pas. J'espère du coup que je vous retrouve très vite, parce que là le prochain je ne tombe pas tout de suite, donc je ne sais pas quand exactement. Donc j'espère pouvoir retourner au plus vite et vous en faire part. Voilà. Et je vous dis du coup à très bientôt, portez-vous bien jusque là. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de partager, de liker, de commenter, de donner des astuces, soit façon de tourner, soit le montage, tous les trucs comme ça. Enfin, comme je dis limite à chaque fois. Enfin, bref. Et puis voilà. Allez, à plus, tchuss, bientôt, voilà. Hein, l'outro merdique. Allez, à plus.